Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Nous sommes en Anjou, au cœur du coteau de Lyon. Vous êtes viticulteur biologique. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a différentes raisons. D'une part, parce que j'en avais marre de mettre des pesticides moi dans les vignes. Et quand on parle de respect du terroir, désinguer le terroir en mettant des saloperies dedans, pour moi, c'est pas cohérent. Et vos vignes, comment les entretenez-vous ? Tu vois, là, par exemple, sur une parcelle comme ça, il n'y a pas eu de désherbant chimique. On travaille avec des charrues. Et après, au niveau des traitements, on met de la bouillie bordelaise et du soufre. Et de temps en temps, j'utilise des tisanes pour aider à lutter contre les maladies. Et alors, faire du vin bio, c'est plus compliqué ? Ouais, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de parachute, si on peut dire, avec les produits qui sont assez violents pour lutter contre les maladies. Donc c'est beaucoup plus d'observation et beaucoup plus de temps à la vigne. Il paraît que les Layons est une des rivières les plus polluées de France. Pourquoi ? Et d'Europe aussi d'ailleurs, notamment du fait de tous les herbicides qui descendent dans la rivière. Là, la rivière est juste en dessous et dès qu'il pleut, toutes les molécules redescendent dedans. Donc on retrouve aussi bien des molécules interdites depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il y a des molécules qui mettent du temps à se dégrader. Ou alors, certains utilisent des produits qui ne sont plus autorisés. Et la seule solution, ce serait d'arrêter le désherbage chimique. C'est pour cela que vous faites du bio. Ouais, exactement. Bon, merci Bruno. Alors, on boit un coup. Allez, j'ai un super jus de raisin.